Quand on voit le temps d'accession en finale qui est à plus de 57 secondes, c'est pas arrivé depuis bien longtemps. Mais ça devrait nager beaucoup plus vite cet après-midi et ça devrait nager moins de 55, notamment avec Aurore, avec Anna Charba, avec Mylène Lazare, qui sont elles aussi des filles qui sont des piliers de l'équipe de France et du relais 4x100. 52-91, c'est le record de France d'Alena Popchanka établi à Helsinki le 8-12-2006 lors des championnats d'Europe 2006 en petit bassin. Mylène Lazare à la ligne de numéro 3, c'est terre du club de Sarcelles. De Sarcelles, qui s'entraîne également dans mon groupe auprès de Denis Auguin à Antibes. Aurore Mongel à la 5, Vandenberg l'américaine, ligne de numéro 4, Anna Charba Lorgeril à la ligne de numéro 6. C'est parti pour ce 100 mètres nage libre, dame des championnats de France. Meilleur départ pour l'américaine à la ligne de numéro 4, qui a nagé 54-96 en série. Allez, c'est Aurore et Anna Charba qui sont maintenant légèrement devant. Mylène Lazare un petit peu en retrait. C'est Aurore Mongel qui revient en 26 secondes devant Anna Charba. Attention à la deuxième partie de course là, de l'américaine Kimberly Vandenberg qui a repris un léger ascendant sur Aurore, dont elles sont sur la même ligne là. Elles sont sur la même ligne pour le titre. C'est Aurore Mongel qui se détache. Elle est en forme, Aurore Mongel, en grande forme. Elle est super bien. Oh, elle va s'imposer, mais sans problème là. Oui, après son 200 mètres papillon, magnifique. Tout à l'heure. 54-04. Elle égalise son record personnel. Elle égale son record personnel qui date de l'année dernière, de pas décembre mal. Dernier. Sans combinaison, pas mal. Non, c'est fort. Deuxième place ex aequo pour Anna Charba et Kimberly Vandenberg des États-Unis. Et donc, 54-87 et la troisième place. Pour Mylène Lazare. Lazare. 54 secondes, 96 centièmes. Allez, un podium français à moins de 55 secondes, ça rassure. Et ça promet pour Istanbul, hein, notamment pour Mongel, qui a remporté le 200 papes il y a quelques minutes, qui remporte ce 100 libre. Elle termine très fort. Vous terminez ces championnats de France très très fort. Le 200 papes, le 100 libre, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre ? Pour la semaine prochaine, avec une grande impatience à Istanbul. Quoi. Le chrono, vous êtes surprise ou pas par le chrono que vous faites ? Que vous égalez votre meilleur temps ? Bah, c'est vrai qu'un petit peu surprise parce qu'on a quand même changé de matériel. Je viens quand même de nager un 200 papillon où je me suis vraiment investie. Donc très contente, surprise, mais très contente. Très bien, merci. Allez, les concurrents de la dernière course de ces 6e championnats.